C'est la deuxième année que vous faites entrer la BD dans l'hôpital. Pourquoi cet acharnement ? J'avais envie de faire venir des choses différentes par rapport à l'année dernière. On a voulu rentrer de façon plus concrète et plus profonde dans l'hôpital. Et cette année, les artistes sont intervenus pas juste pour des représentations, on va dire, mais vraiment pour un échange avec les patients et le personnel. Donc ils sont allés à la rencontre de ces gens, ils leur ont posé des questions. Et notamment, là, l'idée, c'était de leur poser des questions sur le fantasme de leur vie d'adulte quand ils étaient enfants. Et sur cette base-là, les artistes ont créé des illustrations. Je me suis dit que c'était quand même un sacré défi, que ça ne se refusait pas, qu'il fallait vraiment essayer et que peut-être j'étais quand même capable de faire quelque chose de bien dessus. Ce qui m'a fait peur, c'est notamment la rencontre avec les patients. Je suis un peu timide, donc c'est toujours impressionnant de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et puis, est-ce que je vais réussir, après cet entretien, d'en ressortir quelque chose de bien en dessin ? Quelle image vous aviez de l'hôpital ? C'est angoissant ou c'est pas angoissant ? Est-ce que ça participait au stress ? Oui, ça participait parce qu'on se dit que voilà, les personnes qui sont là sont dans un contexte particulier. Et est-ce qu'ils vont être dans l'humeur et dans l'envie de partager des choses avec des gens qui viennent de nulle part pour les voir ? Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident pour nous, je pense que c'est pas évident pour eux, donc c'est un peu angoissant, oui. Dans le service dans lequel j'étais, donc la cadre avait fait le tour un peu des patients pour pouvoir leur parler du projet, voir vraiment ceux qui étaient intéressés. Il y a des vies très différentes, des époques et des contextes différents aussi, vu que ces trois vieux monsieur que j'ai rencontrés, je pouvais retrouver des choses, des histoires à l'autre qui se retrouvaient et qui ne se retrouvent pas dans ma génération à moi. C'est ça qui était assez intéressant, la confrontation des générations. Et dans une même génération, des traces de vie qui sont complètement différentes. On s'inscrit dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme Culture et Santé. Cet hôpital participe à ce programme depuis 2002. Tous les mois, on propose des actions très variées, donc des expositions, du théâtre, de la danse, des concerts. Et du coup, voilà pourquoi cette exposition-là. Et puis je vous disais, la BD, c'est assez récent dans les lieux, donc on a envie d'ancrer ça un petit peu plus. Quel est le but de faire entrer la culture dans un hôpital ? C'est pas une démarche très commune ? Par rapport à plein d'autres lieux, on a trois publics. On a les patients, qui sont un peu coupés de leur vie et de leur vie culturelle, et on veut justement éviter ça. C'est pour ça qu'on travaille avec le programme Culture et Santé pour faire entrer la culture dans l'hôpital. On a également une action de sensibilisation du personnel, parce qu'ils font des horaires de dingue, ils sont très impliqués, et du coup, avec les horaires qu'ils font, peut-être qu'ils sont un peu moins enclins à aller voir des spectacles ou enfin, différentes actions culturelles. Du coup, nos actions s'orientent aussi vers eux. Et puis, troisième mission et troisième public, c'est le public extérieur. Nous, on est le seul hôpital de centre-ville, maintenant que l'Hôtel Dieu a fermé, et on a envie d'attirer le public extérieur et que les gens aient un peu moins peur de pousser les portes de l'hôpital. Et nous, du coup, notre plus grand bonheur, c'est que les gens nous disent « on vient dans votre hôpital, pas pour se faire soigner, mais pour voir ce qui se passe d'un point de vue culturel. » Paradoxal, presque. Oui et non, parce que pour la petite histoire, ici, c'est un ancien hôpital géré par des sœurs et qui avait déjà cette dimension qui allait au-delà du soin. Il y avait une notion de prise en charge globale du patient, donc donner des soins et prendre soin. Finalement, ce prendre soin qui ne se fait plus par le côté religieux se fait par la culture.